Good morgen, allez, Iden et Tusro, aujourd'hui le Nishmat, Dov, Ben Yudit et Vatar, Amram, Ben Chedva, Chaya, Esther, Bat Miriam et Yitzhak Perez, Ben Fortuna. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étions Maseret Shabbat, Perik Vav, Mishnah Vav. Yotza, Besela, Sheal, Atzinit. Habanot, Yotzot, Bechutin. Afilu, Bekismin, Shebeuznehen. Arviot, Yotzot, Reulot. Umadiyot perufot, bechol adam, ela shedibru chachamim behove. On est dans la séquence du Perek qui traite maintenant des choses avec lesquelles on a le droit de sortir dans la rue, qui sont considérées comme des vêtements. D'accord, vêtements ou décorations permises. Ouais, pour rappel, on est dans le sixième Perek de Shabbat, on parle des types de vêtements qu'il est défendu de sortir, vêtements ou bijoux qu'il est défendu de sortir avec. Dans le Reshut Arabim, la voie publique, il y en a qui sont interdits Midoraita, il y en a qui sont interdits de Rabbanan uniquement. En général, juste pour rappel, une notion qui apparaît souvent dans ce chapitre, c'est Dilma Shalfa ou Michavia, de peur qu'elle va le sortir pour le montrer à sa copine. Du coup, Rami, on fait une xéra de ne porter presque aucun bijou dans le Reshut Arabim, parce que machinalement, la femme ou la jeune fille, elle va risquer de sortir son bijou pour le montrer à sa copine et le porter dans le Reshut Arabim. D'accord? C'est un des grands fils directeurs de ce chapitre, ainsi que toutes sortes de choses qui peuvent tomber facilement aussi, qu'elle va les ramasser machinalement pour les porter, Donc il y aura un issur aussi, midrabanan de porter. La Mishnah vient sur ça et m'enseigne. Yotza de Sela Shalatsinit. Elle a le droit de sortir avec la pièce, Sela, c'est une pièce, Shalatsinit qu'elle met sur sa plaie. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire le mot tzinit, mais comme ça c'est expliqué dans la Gemara et dans le Mefarshim. Concrètement, on parle qu'il y a toutes sortes de plaies qu'on peut avoir, de boutons, que la manière de se guérir est de prendre une pièce en argent ou en métal et de la mettre, de la plaquer contre la plaie et de mettre un bandeau, de l'attacher bien fortement. La Mishnah vient m'enseigner, tu sais, si tu as besoin de sortir comme ça pour mon Shabbat avec ta pièce sur ton pied, par exemple, eh bien, tu auras le droit de le faire. C'est comme une refoua, ça guérit, c'est permis, c'est comme un pansement. D'accord? Ensuite, Abanot yotzot bechutin vafilo bekisamin shebeoznehen. Abanot aktanot, il y en a qui disent ce qui veut dire Abanot aktanot, c'est sûr qu'on parle que des petites filles, justement. Les petites filles, les jeunes filles, peuvent sortir avec les fils. Et même avec, comment dire, les kessamines, un cure-dent, dans leurs oreilles. C'est-à-dire, on explique un petit peu mieux, il y a, lorsqu'on est à l'époque en tout cas c'était comme ça, même aujourd'hui, quelqu'un qui va se percer les oreilles, eh bien nécessairement, il doit ensuite veiller à laisser tout le temps, constamment, pendant une certaine période, une certaine durée, laisser une boucle d'oreille. Alors à l'époque, il ne laissait pas des boucles d'oreilles, mais il mettait plutôt des fils dans le trou. Il mettait des fils pendant une quelconque durée, je ne sais pas combien. Et ou bien il mettait un petit kaysam, un petit pic, un petit cure-dent, il le mettait dans l'oreille. Il laissait comme ça pendant quelques jours. Et si elle a ça pendant Shabbat, eh bien elle aura le droit de sortir avec. Ce n'est pas considéré comme si elle porte quelque chose. Précision importante, dans la Gemara qui nous dit, on parle uniquement que les fils ne sont pas des jolis fils colorés. Par contre, il s'agit de fils colorés, alors ils prennent un statut de bijou, et dans ce cas-là, on retombe dans le même problème que de peur qu'elle va le sortir dans le Reshut Arabim pour le montrer à sa copine. D'accord? Ensuite, Araviot yotzot reulot umadiyot prufot. Alors, alors, je traduis d'abord Araviot, les Arabes, mais en fait, non, c'est les femmes qui vivent dans les pays arabes. Yotzot reulot, elles peuvent sortir. Reoulot, ça veut dire cagoulé en fait, comme la burqa, elle peut se couvrir toute la tête. Si une femme elle veut sortir dans la voie publique en se couvrant complètement la tête, en laissant juste les yeux découverts, elle a le droit de le faire. On va expliquer après c'est quoi le chidouche exactement de cette Mishnah. Ou Madayot pour faute, et les femmes qui habitent à Madaï, la Médie, c'est vers l'Orient, je ne sais pas exactement quel pays arabe c'est, et en tout cas là-bas, au Madayot, à côté de l'Iran, toujours. Paras ou Madaï, ça allait ensemble.
Madayot yotzot profot, elles peuvent sortir aussi profot, c'est une autre forme de couvrir les cheveux, de se couvrir le visage, c'est-à-dire une fois qu'on avait fini de s'habiller, elle se mettait une sorte aussi de châle, cette fois-ci sans se couvrir tout le visage, mais plutôt avec un, comment ça s'appelle déjà, un brandebourg. C'était en fait, on en reparlera dans la prochaine Mishnah, où j'introduis d'abord vite fait le principe, comment il se présente, c'est-à-dire c'était une sorte de châle qui couvrait la tête. Une fois qu'elle avait fini de se couvrir la tête, et de mettre tout ce qu'il faut, alors elle mettait un autre châle supplémentaire au-dessus, et il y avait en fait un brandebourg, c'est une sorte d'attache qui ferme un vêtement, où il y a une lanière qui fait une boucle, et l'autre qui rentre dedans, d'accord? Eh bien, donc c'est ça ce qu'on fait. Ou faute, c'est ce que ça veut dire, quelque chose qui n'est pas ouf, on en reparlera dans la prochaine Mishnah, c'est que, on parlera dans la prochaine Mishnah, lorsqu'elle veut mettre dans la partie de... C'est une forme de boutonnière en fait, où elle fabrique une lanière, et de l'autre côté, elle va mettre l'autre pan du châle, elle va le faire entrer dedans, et puis pour le bloquer, elle va mettre dedans, au bout, une pierre ou une pièce, comme ce qu'on verra dans la prochaine Mishnah. Et la Mishnah enseigne, sache qu'une femme a le droit de sortir, comme ça, en se cagoulant la tête, ou bien en mettant ce chapeau supplémentaire sur sa tête. Et la Mishnah rajoute, en me disant, Vechol Adam, et toute personne peut le faire. Et là, chez Dibrou, Chachamim, Beove, seulement Chachamim, ils ont parlé concrètement selon ce qui était l'usage. En fait, la Mishnah est venue m'apprendre un truc. J'ai passé beaucoup de temps pour comprendre quelle était l'ampleur de ce ridouche, parce que ça me dérangeait beaucoup. En fait, la Mishnah me dit, tu sais, une femme a le droit de se couvrir la tête pour sortir dans la rue. Ah, d'accord, c'est quoi le ridouche? D'accord, tu me dis, on va prendre une femme qui va sortir avec une burqa, pourquoi pas? Si elle veut, si ça lui plaît. Si elle est brute, c'est une manière de se couvrir la tête. Quel est le chidouche? Pourquoi il a besoin de le dire? Et en fait, j'ai découvert quelque chose de super. Que la Mishnah est venue m'enseigner, elle nous dit, sache que ça s'appelle Derech Malbouche. C'est une manière de s'habiller, et même pour toutes les femmes. C'est-à-dire, si ce n'était pas comme ça, j'ai vu un diouk dans le Mishnah Berurah Dirshu, au nom de Nissim Karlis, Zatzal, dans le Khouchani, qui nous dit, je pose une question maintenant, imaginez quelqu'un qui se rend dans la rue en mettant un châle en se couvrant toute la tête. Est-ce qu'on a le droit de sortir comme ça dans la rue? Il y a un interdit, c'est un vêtement, je le mets sur moi. Eh bien, il fait un diouk, il déduit de notre halakha justement que c'est interdit de sortir de la sorte. Pourquoi? Parce que si tu ne mets pas un vêtement dans sa manière normale, conventionnelle de le porter, eh bien, tu n'es plus en train de te habiller, c'est plus un vêtement. C'est une charge, tu es en train de mettre, t'as plié ta chemise, tu l'as mis sur l'épaule. T'es en train de. Même si c'est une chemise et ça te chauffe l'épaule, c'est pas un vêtement. Pour que ce soit un vêtement, il faut le mettre comme c'est la manière de le porter. Et si tu le mets comme c'est pas la manière. Du coup, il y en a qui vont même parler, est-ce qu'un homme qui peut se couvrir la tête de la sorte ou pas? Peu importe. Là, en rentrant plus dans les détails halakhiques, complètement, concrètement. Mais le principe, retenez bien. Pour pouvoir valider que ce soit permis de sortir en portant le vêtement de la sorte, il faut que ce soit l'habitude de porter le vêtement de la sorte. Et si ce n'est pas l'habitude de le porter, eh bien il y a un interdit des Rabbanan, parce que là on n'est plus en train de... Tout ce qui me permet de porter mon habit, c'est parce que c'est un habit qui me couvre, je le porte de manière normale. Si je me mets à mettre ma chemise dans mes pieds, en fait, comme un pantalon, eh bien je ne porte plus ma chemise de manière conventionnelle, j'ai plus le droit de sortir avec ma chemise. C'est ce qui en découle de cette Mishnah. C'est pour ça que la Mishnah a besoin de me dire, sache que malgré tout, mettre ce châle supplémentaire au-dessus de tous les vêtements, et même si tu te couvres complètement toute la tête en laissant juste tes yeux, puisque c'est un habillement dans le monde, dans les pays arabes c'est considéré que c'est un vêtement, donc pour tous les pays du monde aussi, ça s'appellera aussi un vêtement, on pourra le porter de la sorte. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha Kol Tov, Salam.